Car avant la reconnaissance, avant les applaudissements et la lumière, n'oublions pas que l'artiste, et surtout le compositeur, est animé par sa principale force qui est le travail. Et c'est de ce travail qu'est né ce qu'on peut appeler cette lumière, cette magie. Et à l'heure où certains artistes souffrent d'un manque d'inspiration, et certains, vous savez, se contentent de sampler des musiques, et de les remalaxer, de les réutiliser, Michel Legrand, non, lui faisait partie d'un autre cercle, le cercle des créateurs. Et vous avez les créateurs, et vous avez les autres. Et cette capacité à créer, on peut penser, en tout cas après certaines recherches, c'est ce qu'on peut penser, il la doit à une dame qui, vous me contredirez si je me trompe, à une certaine Nadia Boulanger, qui a été son professeur de piano au conservatoire. Vous savez, j'ai partagé 50 ans de concert avec mon père, on a partagé beaucoup, beaucoup de choses ensemble sur les routes du monde entier. Et quand on faisait des concerts ensemble, on terminait pour faire un bis, on revenait tous les deux sur scène et on chantait un petit extrait des Parapluies de Cherbourg. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas. Ne pars pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte pas. C'est toujours un peu dur le matin. Sa musique traverse le temps, traverse les époques, et il y a un renouveau permanent avec le public. Et vraiment, donc c'est bon parce qu'il y a une vraie marque de fabrique et qui fait que les gens sont heureux de chanter, de faire sa musique, tout ça. C'est très bien.
comprendre que vous avez un spectacle. Oui, j'ai un spectacle. En fait, voilà, j'ai un DVD qui va sortir avec un double album live qui va sortir pour les fêtes de Noël. Et à partir de là, à partir de février 2022, je vais faire une tournée dans toute la France, Benjamin Legrand, Jean-Michel, parce que j'ai travaillé avec mon père pendant 50 ans. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un spectacle sur lui. Ah bah absolument, je vais venir à Noisiel, on va organiser ça bientôt. Voilà. Oui, absolument. C'est ça vraiment fait avec plaisir que nous accueillerons le moment venu. Benjamin Legrand, c'est naturel, ça va de soi. Moi je vous remercie également. Dans l'eau du ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des quatre saisons.